Certains le disaient fauché. Pierre Palmade confirme. Aux enquêteurs en charge de l'affaire de son accident de voiture, le comédien cesse de confier sur ses problèmes de drogue et ses problèmes d'argent. Deux cercles vicieux qui s'alimentent l'un et l'autre. Selon BFM TV, qui a eu accès à une source proche de l'enquête, Pierre Palmade a expliqué être tombé dans une addiction à la 3MMC, une drogue de synthèse, au point d'être désormais incapable de travailler. Mais Pierre Palmade a-t-il encore besoin de travailler pour vivre? L'humoriste touchant environ 5 000 euros de droits d'auteur par mois, on pourrait en douter. Pourtant, le comédien aurait expliqué aux enquêteurs estimer son train de vie à 6 000 euros par mois. Sa sœur a expliqué aux enquêteurs qu'il vivait en dehors de toute réalité financière et qu'il avait des dettes notamment auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur estimé à 250 000 euros, abonde le journaliste Vincent Ventighem dans le déj de l'info de BFM TV. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Pierre Palmade, il fallait que je paie pour rester entouré. Cette situation financière très délicate est également confirmée dans les colonnes de Voici par un ami de comédien, qui expliquait que Pierre Palmade cherchait un avocat pénaliste mais un pas cher, car il n'a plus rien. En 2017, l'humoriste s'était confié dans les colonnes de Gala sur ses difficultés financières. Il pensait alors avoir laissé ses problèmes de drogue derrière lui. Je n'ai aucune fortune. J'ai payé tous les copains qui étaient avec moi pendant ces années, elles ont été longues, passées dans la nuit. L'argent, ça ne résiste pas à la bringue, détaillait alors l'artiste, qui a connu le succès, et l'argent, très tôt. Avoir du fric à 20 ans, ça rend honteux. On cherche à s'en débarrasser. Quand je faisais la fête tous les soirs, les gens bien que je connaissais partaient tôt, il fallait que je paie pour rester entouré. Une cour, ça se loue. J'ai beaucoup rémunéré les figurants. Argent, drogue, fête à outrance et à m'y intéresser. Le cocktail était explosif. Crédit photo, Jacovide Moreau.